Francesco per miede sequato che vos avete tu voluto perdere la vita. Je voulais chez le voyage avec vous, une immense aventure. Elle m'a mettait dans le corps.
Tranquille à travers la femme, pensant avoir perdu rien. Par
partir, dormir, manger, mes amis, c'est ainsi qu'on entend voyager, mes amis. Partir, chanter, dormir, manger, c'est ainsi qu'on entend voyager, mes amis. Entre la bande des brigands de la femme-là, c'est la tourmente, je ne pensais jamais à elle. Dans la campagne, sans rien à prendre, je savais bien, grâce à ma bourse, me faire aimer. Ni de Palerme, ni là, on va d'auberge en auberge. Ni de Palerme, ni là, on va d'auberge en auberge. Château par révérence, on me rend des grands honneurs, et plus encore. À tout mon honneur, et puis encore à tout mon honneur. Mais ce matin, dans ma voiture, près de mon épouse arrêtée, je suis surpris soudainement dans un sommeil réparateur. Dans un sommeil réparateur, dans un sommeil réparateur. Lorsque debout, en une terre, nous vivons en terre, un pont en l'air, un des genoux, un pont en l'air, un des genoux, ils s'emparèrent du postillon. Ah, de Palerme, on ira, pas un seul aubergiste, la fréquence des autres, la fréquence des autres. Petra pur ma fille. E catil don pur vo de fe? E fe pitie, a vo per prifere, vo ne sa fio rotie. Je don de mille qui, qui se ma recompense, pour qui retrouve les bijoux de ma femme. Mais ce n'est pas assez, il faut 10 000 écus, il n'en a pour 100 000, c'est bien de votre faute si vous furent volés. Vous prîtes un détour pour éviter ces femmes qui vous poursuit partout, partout on le retrouve à chacun des relais. Il est encore avec vous. La douche c'était sa sérénade, que je n'aime pas ça. Ne crois pas.
Thank you.
du marquis. Viens donc en son absence, vous laissez votre auberge. L'affaire, je vais pas chercher les maniers et de ramener ici pour les jours de la mort. Ciel! Oh, beaucoup de clientèle occupe maintenant votre auberge. Oh, monseigneur, Milady est mignonne. Aucun autre, Milady semble joyeuse. Mais ce milord fait une triste mine. Ne plairait sa fortune du bas des débrigands pour la sa bourse. Est-ce possible? Même dans nos campagnes, y a-t-il de pareils crimes? Hélas, messire! C'est vrai, je parcours les montagnes sans craindre pour ma vie. Les brigands ne sont pas une menace. Vous avez de la chance, depuis que ces brigands nommés Radiatra. Régnez la terre. Et que diable qui est cet homme que l'on l'appelle Fra Diavolo? Une crapule redoutable. Oh,
Nous nous sommes croisés là au chemin. Ce sont de pauvres bourgeois qui j'ai fait l'aumône. Vous me résistez, je vais payer leur table et puis leur chambre. C'est un écrit par tête. Par tête. Ah, c'est l'ombre vraiment qu'ils n'ont mérité. Mais au fond, peu importe. Qu'on leur donne une chambre dans les portes. Alors que moi je dors à la belle étoile. Giovanni, tu les rapporteras du pain, du fromage. Et les amèneras toi-même dans la grange. Et vous, allez donc préparer la table pour Milord. Toi, ma fille, tu m'accompagnes jusqu'à chez nos bassins. Et venons séance, nous préparerons la cérémonie. Voilà toute et bonne chance. Votre santé, mon capitaine, et plaît-il. Ça ne mais que signifie ces manières? Et dans le nombre, c'est pas grand-chose. Il connaît pas l'étiquette, mais confiance, dit les croyants. Le courage n'est pas tout, c'est un métier. Je te donne un coup sur la tête, j'en fais comprendre. Passe-moi ma serviette. C'est un femme échantillonne de mensonge.
Tu parles, je saurais bien où cet or a fini. Au diable, et laissez-moi chanter ma sérénade. Mais courage, vous pouvez être heureux de m'avoir, mes amis, pour patron. Déjà voici Milady. Eh bien, vous êtes encore là? Au fil! Au fil! Oui, je vais commander le punch à vous, Milord. Charmante, Milady. Comment? C'est encore
bruit là dans la chambre voisine. Lui si jaloux, jaloux comme Othello. Il s'est donc offensé quand chantait à Dino. Et nous pouvons sur cette mandoline répéter tous les deux cet air que nous commençâmes hier. Ah, je l'entends, c'est lui. La gondolifide, brave pour voir sa belle, les autres ennemis de loin si l'obtiennent un regard. Faut-il que votre cœur, que votre cœur ignore le feu brûlant qui me dévore, le feu qui me dévore? Monsieur, je le puis écouter. Oui, ça me fait, vous pouvez rester. Oui, vous admirez en silence. Ne peut vous paraître, vous paraître une offense. Je ne pouvais pas, je le crois. Empêchez-vous d'admirer moi. Ah, non, Thank you.
je veux être servi et vous chantez j'adore. Il a raison, servez-lui donc son punch. Je n'ai déjà plus soif, n'ai plus envie de rien. Est-ce de voir perdu votre bourse? Et c'est noté que ça. C'est vrai, on vous a dérobé toute votre fortune venant de votre femme. Et vous étiez en route vers la banque de Naples. Je comprends que l'on pleure, Milord, cette fortune. Par chance, j'ai conservé ma fortune. Vraiment? Vous avez donc une cachette? J'avais pris d'excellentes mesures. Je n'en parle à personne. Je commence à comprendre que vous êtes habile. J'ai pris des pièces d'or, l'or contre des temples, et je les ai cousues toutes. Mais où donc? Cherchez l'astuce. La ruse me dépasse. Au revers de ma veste. Et moi, dans mon épine, je ne peux croire quelle robe précieuse, ô mystérieuse ruse. Il fallait y penser. Nous sommes vêtus d'or. C'était bon à savoir. Je vais en profiter. Écoutez, quelle est donc cette marche guerrière? Et pourquoi, cher ami,
partir, un gros tailleur qui vient se prendre. Falco, mes braves compagnons, dis-le roi, et je le sors. À demain, à demain. On s'est déjà Dastardly bandit Fra Diavolo vows to have his revenge on Lorenzo, the army officer tasked with capturing him. That was Act One of Daniel Auber's Fra Diavolo. The role of the eponymous bandit was sung by John Osborne. Lorenzo was tenor Giorgio Miseri, who's in love with the innkeeper's daughter, Zerlina, who was the soprano Anna Maria Sara. And the English couple robbed on the road, Lord Coburn and Lady Pamela, were sung by Roberto De Candia and Sonia Ganassi. The Rome Opera Chorus and Orchestra were conducted by Rory MacDonald. And we'll be back at the inn to pursue Fra Diavolo shortly after we find out who's on this evening's In Tune with Sean Rafferty. Good afternoon, Sean. Hello. No dastardly bandits, I'm glad to say. As far as I know, though, goodness knows, who, you know, they may turn up. I rather doubt it. You have got a band, though. Bandit. We have a band. We have. We're just a bit of it. Obviously, a bit of the banditry is missing. Though, mind you, they can rock and roll and rampage with the best of them. It's the band from Tango in the Dark who has just started in London. So we've got bandoneons, we've got voices, we've got everything, so the heat will definitely be turned up. So, you know, you may suddenly find the ice falling off your windows with the sheer excitement of it all. We were hoping to join up with Wales before tonight's Radio 3 in concert. Of course, that's been cancelled because of the snow and all the conditions. But we will be waving the flag for Wales. And there's going to be some special tonight. St David's Day celebration yes. tonight, isn't there, as well, from 7:30. Yeah. TBC. I think it's all right. Well, you will have Bryn. I think definitely Bryn Terfel is involved. I think it's a repeat from a couple of years ago of concert. And then we've got young voices from Guildhall Opera. Though very often the conservatoires point the way to what major houses should be doing. They're doing Poulenc's Dialogue de Carmelite, so set in revolutionary France. We get young singers coming from that. They're going to sing Poulenc and Foray as well. And just before you go back to the opera, I'm just sort of listening through a little bit of what people will be hearing. Monteverdi's Orfeo, Return of Ulysses on Saturday, on Opera 3 on Saturday, recorded at the Roundhouse with Covent Garden. It's going to sound absolutely fantastic with the wonderful Roddy Williams. Brilliant. Well, I look forward to that. You were there, weren't you, for that? Was you? Yes, it was, it was really, really exciting. Wonderful. Well, I think we better get back to Daniel Auber's opera, Fra Diavolo. What's going to happen? Sean Rafferty. Well, he's going to be late there because he's going to have to listen to all of this opera now. So he's going to be late back to the studio for In Tune because it's a long opera as well. Right, that was Sean Rafferty. Many thanks, Sean. He'll be back at 5. He'll be back at 5 o'clock with In Tune. Yes, but back to Daniel Auber's opera, Fra Diavolo, because in Act Two, Lord Coburn and Lady Pamela have gone to their room at the inn when Fra Diavolo, still disguised as an aristocrat, and his two hopeless henchmen, Giacomo and Beppo, creep in to try and rob them again. But to get to them, they first have to pass through Zerlina, the innkeeper daughter's room, where they find and steal her dowry. Suddenly, Lorenzo returns and mistakes Fra Diavolo as a wealthy rival for the love of Zerlina. This is Act Two of Fra Diavolo. Thank you.
avez-vous donc fait, ma chère, du médaillon que d'ordinaire? J'ai l'habitude ici de voir attacher ma robe à noir. C'est portrait. Yes, ce médaillon. Il est taillé. Pourquoi donc? Se sont retirés tous les deux dans leur chambre. Personne ne m'a vu monter cet escalier. La chambre de Milord doit être la seconde. Ce serait celle ici. Non, rien que la garde-robe décorée de tentures. La chambre de Milord est placée dans cette aile, au fond du corridor. Parfait. Il faut qu'on avertisse chacun de nos complices qui ont trouvé refuge dans cette grange. Je dois leur faire signe. Si quelqu'un m'entendait, et puis qu'importe, je fais comme il me semble. Alors je chante, on chante jour et nuit à travers l'Italie. Et puis une chanson d'amour n'éveille aucun soupçon. Thank you.
De grâce, entrez sans un bruit. Voulez-vous autre chose? C'est Gerline qui parle. Là, au fond de la chambre, derrière les tentures. Derrière les tentures. Patience, nous attendrons jusqu'à ce qu'elle parte. Vous n'avez rien à craindre, l'auberge est sûre et parfaitement calme. Enfin, grâce au ciel, tout le monde est couché. Je voudrais faire de même. Oui, oui, faisons le temps. Oui, oui, allons vite à dormir. Il est bien temps, car demain de l'aurore, il faudra se thank you.
est plus que moi. Si ton amas qui revient près de toi, Les couleurs, 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 les couleurs
Robbed Zelina of her dowry, the bandit Fra Diavolo meets Lorenzo, the army officer determined to arrest him. Lorenzo mistakes Fra Diavolo, who's in disguise, for the charming Marquis de San Marco and assumes that he has a rival for Zelina.
That was Act Two of Fra Diavolo by Auber. Zerlina, the innkeeper's daughter, is soprano Anna Maria Sara, who's in love with Lorenzo, the tenor Giorgio Masseri. Fra Diavolo is John Osborne, and his two lackeys, Giacomo and Beppo, are bass Jean-Luc Balestre and the tenor Nicolas Pamio. The Rome Opera Chorus and Orchestra are conducted by Rory MacDonald. In the third and final act, now that her dowry has been stolen, the innkeeper, Matteo, has no choice but to force his daughter, Zelina, to marry the local wealthy farmer, Francesco. But up in his mountain hideaway, Fra Diavolo is boasting of his life as a great criminal and orders Giacomo and Beppo to return to the village to spy on Lorenzo. He tells them that once Lorenzo leaves, they must ring the church bell to let him know. Back down in the village, Zerlina realises that Giacomo and Beppo must have been the men in her room the night before, and they're arrested by Lorenzo. Uncovering their plan, Lorenzo orders them to ring the church bell, and Fra Diavolo falls right into Lorenzo's trap. The infamous bandit is finally captured, and with the return of her dowry, Zerlina can finally marry Lorenzo. Act 3 of Auber's Fra Diavolo. Thank you.
sì, camarade, pur suito sarà. Là, c'est une jeune fillette, comme elle tremble, la pauvrette. Par charité, ne sais pas, je vous prie. Ah, 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 par charité, ne m'ôtez pas la vie. Ah, 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 grâce à mon Seigneur brigand, je ne suis qu'une pauvre enfant. Grâce à mon Seigneur brigand, je ne suis qu'une pauvre enfant. Nous ne demandons rien au bel usage de Sorte, sorte, non paresse, demain.
le capitaine? Non, a-t-il quitté la verge? Et toi, que fais-tu donc? Que veux-tu que je fasse une petite sieste? Le capitaine a dit qu'au cas de son absence, dans le temps de ce chêne, il mettrait un message. J'aperçois quelque chose, une lettre pour toi. Appelle le brigadier, ce sera éloigné pour laver son honneur en affrontant les sables. À l'heure où les époux vont se rendre à l'église, vous m'en avertirez en sonnant sur la cloche de cet ermitage. Vous me verrez venir, je réglerai à l'honneur compte au cher Émilor et à sa chère épouse. Parfait! À peine, on verra le cortège partir avec la noce en bas l'alarme. Pauvre Lorenzo. Il vient, il est triste, il soupire. Il faut qu'il se dépêche, car il n'a plus beaucoup de temps. Sortons, on va le suivre là. Je suis Isaac, les orbes viennent être infidèles, mais non, pas à moi. Et déjà la perfide adore en autre main, et je ne puis. Oh.
jamais tu m'attendras. Et si je ne réparais pas à ma place, comment des dirigent leurs ailes? Passer dans ces rochers. C'est l'honneur qui m'appelle. Se sera éloigné, le vaisseau n'aura affronté les armes,
À l'heure où les époux vont se rendre à l'église, vous m'en avertirez au sonnant sur la cloche de l'ermitage. Vous me verrez venir. Je réglerai alors leur compte au cher Milord et à sa chère épouse. C'est pas trop pour entendre nous dire que veut dire ceci. Nous laisserons, je parle, pour toi, pour notre nom de plein amour. Pour moi, tu as peur pour la santé. Ainsi que je l'ai dit, va disposer-les tous. Toi, monte à l'ermitage avec lui. S'il hésite et qu'à l'estamène, il tombe sous tes coups. Vous, mes amis, cachez-vous vite et derrière ces buissons épais. Pour toi, reste c'est ici, reste. Et si pour nous trahir, tu fais les moindres gestes, songe que je suis là, tu m'entends. Et trop bien. Et vous faites une finesse.